Marie-France, le temps des arbres, qu'est-ce que c'est que le temps des arbres pour toi? Qu'est-ce qui s'est passé dans le temps des arbres? Le temps des arbres, le documentaire tout d'abord? Le documentaire, bien sûr. Eh bien, ça fait de nombreuses années qu'en tant que réalisatrice, je suis au service, je dirais, des pionniers de l'agroécologie. J'essaie, avec ma caméra et la fenêtre qui m'est offerte sur des grandes chaînes de France Télévisions, de donner un espace pour montrer que la crise agricole et la crise des sols actuels est aussi une opportunité pour laisser pousser des nouveaux regards, des nouvelles façons de faire, des nouvelles façons d'être en lien avec le vivant et avec le sol. Et donc, le temps des arbres était la continuité d'un documentaire réalisé il y a quelques années qui s'appelait « Le champ des possibles » et qui avait déjà pour objet de montrer ce renouveau du monde paysan, illustré et incarné tant par les néo-paysans que par des agriculteurs de souche qui cherchent à réinventer leur métier. Et voilà, et dans la continuité de ce film est né Le Temps des Arbres, puisque en fait, prolonger la réflexion sur les néo-paysans, enfin, ou en tout cas le renouveau du monde paysan, c'est clairement travailler sur le lien au sol. Travailler le lien au sol, et puis j'avais beaucoup tilté sur un article coécrit par monsieur Canet et monsieur Konrad Schreiber sur le fait que la crise agricole était avant tout une crise du sol agricole. Que la crise du monde agricole était avant tout une crise du sol agricole. Et que la réponse était l'arbre. Et donc j'ai proposé il y a eu une rencontre entre une demande de France Télévisions de travailler sur l'arbre, puisqu'il y a tout cet élan autour de ce best-seller sur l'intelligence des arbres. Et on m'a demandé de travailler là-dessus et sur l'intelligence du rapport à l'arbre. C'est vrai que la science nous permet de mieux mesurer en quoi les arbres collaborent, sont des êtres sociaux, d'intelligence, sont les pionniers du web, on va dire. Et donc, l'idée du temps des arbres était de proposer une autre lecture qui était celle de l'intelligence de notre lien à l'arbre et en quoi c'était définitivement notre meilleur compagnon et certainement notre meilleur ami depuis toujours, et que la suite de l'histoire se ferait sans doute, si on la veut joyeuse et vertueuse, à ses côtés. Et donc, le temps des arbres, c'est une approche très transversale qui va du monde forestier, avec justement toutes ces alternatives au monde forestier qui sont en train d'émerger, portées par des réseaux qui font un peu écho au réseau porté par Arbre et Paysage 32, qui sont dans le monde forestier, celui du réseau des alternatives forestières. C'est des réseaux qui essaient de faire émerger des nouvelles pratiques, de nouveaux liens à la forêt, une autre façon de faire émerger la sylviculture douce qui permettrait, un peu comme l'agroforesterie, de produire tout en protégeant. Et donc le film s'entame sur justement cette nouvelle sylviculture, se prolonge avec le lien à l'arbre compagnon de l'agriculteur, comme arbre outil de fertilité ou compagnon chez les vignerons, mais aussi l'arbre comme support pédagogique. L'arbre peut être un support et un compagnon pour éduquer nos enfants et les remettre en plein air, mais aussi pour se soigner. Et le film se termine comme ça, aux côtés de thérapeutes et de médecins qui essaient de reconnecter des enfants à leur propre voie de guérison en les mettant en lien à l'arbre. Voilà. Merci, merci beaucoup Marie-France. On va continuer le tour de table avec Nicolas Bouix. Et vous allez nous dire ce que c'est pour vous le temps des arbres. Le temps des arbres, le temps long peut-être des arbres. Vous allez dire d'où vous venez, où vous allez et pourquoi vous y allez. Donc bonjour, Nicolas Gouix, moi je suis du Conservatoire d'Espaces Naturels, donc voilà, je travaille dans la région Midi-Pyrénées, bientôt Occitanie, et en particulier, moi je travaille depuis mon doctorat sur les petites bêtes qu'il y a dans ces vieux arbres,
en particulier les coléoptères. Et en travaillant sur, sur les insectes de ces vieux arbres, en fait, pour moi, la vie des arbres, elle commence assez tardivement. Pour qu'ils soient accueillants envers ces bêtes-là, j'ai en particulier travaillé sur des espèces de cavités. On a parlé du pic prune, ça fait partie de mes domaines d'étude, et d'autres espèces. Et en fait, les arbres commencent à devenir accueillants pour ce type d'espèces à peu près à partir de 200-250 ans en moyenne. Donc voilà, moi j'ai une approche de l'arbre assez, on va dire, tardive dans l'espace temporel. Et on se rend compte que ces arbres-là, l'arbre pour nous, il est en forêt malgré tout. Des arbres qui ont dépassé 200-250 ans aujourd'hui, il n'y en a plus beaucoup en forêt. Des espèces comme le pic prune, on le trouve plus en forêt quasiment en France. Il n'y a quasiment plus aucune forêt de France qui héberge cette espèce, pourtant forestière. Et du coup, aujourd'hui, on ne la trouve que dans des arbres, les trognes. Voilà, typiquement, ce sont les trognes qui ont permis de maintenir des arbres sur le long terme. Et en travaillant du coup sur les raisons qui font qu'une espèce pourtant forestière n'est plus en forêt, mais uniquement dans le milieu agricole, finalement, on se pose vraiment beaucoup de questions sur, sur l'arbre, sur d'où il vient, parce que normalement, l'arbre vient de la forêt. Il faut se dire qu'en France, normalement, on vit dans une grande forêt. L'écosystème naturellement présent en France est quasi exclusivement la forêt. Alors, une forêt pas forcément dense comme une forêt très très fermée, mais avec des ouvertures qui peuvent se créer selon les cycles d'évolution de la forêt. Hein, voilà, la forêt mature et les arbres tombent par terre, ça fait des trouées, il y a de la régénération. Or, tous ces cycles-là aujourd'hui, ils ne sont plus forcément présents parce que la sylviculture raccourcit cette sylvigénèse. On tronque en fait le cycle forestier à la fin de la période de maturation des arbres, donc à la fin de leur période de croissance. Pour les prélever, c'est le cycle de la production. Et du coup, tous ces vieux arbres ayant disparu des forêts se retrouvent dans le paysage agricole, mais toujours avec une histoire. Tout à l'heure, je suis intervenu, j'ai parlé de patrimoine culturel, parce qu'on se rend compte que finalement, aujourd'hui, où sont gardés les vieux arbres en France, il y a toujours derrière une histoire de famille ou une histoire, un aspect historique. Quelqu'un qui a planté cet arbre, qui est un petit peu connu, on l'a gardé. C'est un arbre qui fait la jonction entre deux territoires importants, donc on l'a gardé, c'était le croisement de parcelles. Ou alors, c'est l'histoire du grand-père qui a toujours parlé de cet arbre. C'est l'arbre dans lequel on a joué quand on était petit. Et du coup, on ne le coupe pas, il y a cette transmission. Donc voilà, ça c'est on va dire, l'aspect un peu social qu'on peut avoir autour de l'arbre. Et puis après, aujourd'hui, il y a tout le débat scientifique autour des intérêts des arbres. On parle beaucoup de changement climatique. Il y a beaucoup d'études qui montrent que quand on a beaucoup d'arbres, il fait plus frais. On se met à replanter des arbres un petit peu partout en ville. Après, sans faire de grandes études, tout à chacun, là, en ce moment, il fait un petit peu chaud. On est tous contents d'aller se balader dans une forêt bien fraîche pour retrouver un petit peu d'air quand il fait aussi chaud. Voilà un petit peu, brièvement, une présentation que je pourrais faire autour de mon approche vis-à-vis de l'arbre à ce stade. Ok, merci. Sophie Maillet, le temps de l'arbre. Il est allumé ? Ah oui. Bonjour. Donc oui, je m'appelle Sophie Maillet, je suis chargée d'études animation territoriale à Nature en Occitanie, qui est une association naturaliste de protection de la nature. Et je suis plus particulièrement chargée de la coordination de l'Observatoire des forêts des Pyrénées centrales, qui a pour but la reconnaissance et la préservation des vieilles forêts, dont on parlera certainement, et l'amélioration de la prise en compte de la biodiversité dans la gestion courante des forêts. Voilà. Donc on a tout un accompagnement des territoires pour cette prise en compte de ces forêts. On fait des remontées de données naturalistes. On essaye de convaincre les territoires et les propriétaires privés également, donc propriétaires privés comme publics, de préserver ces forêts à fort enjeu écologique. On fait des actions de sensibilisation. Et on travaille avec le Conservatoire des espaces naturels, donc avec Nicolas et avec d'autres scientifiques venant du Conservatoire botanique national Pyrénées-Midi-Pyrénées et de l'École d'ingénieurs de Purpan et l'unité mixte de recherche d'INAFOR avec l'INRA sur l'inventaire de ces vieilles forêts qui sont des forêts anciennes et matures, qui sont des reliques de forêts au fonctionnement naturel, qui ont retrouvé un fonctionnement naturel et dont on trouve une biodiversité spécifique. Donc ça, on pourra peut-être vous en parler un petit peu tout à l'heure avec Nicolas, parce qu'on a fait tout un travail dessus. Ça fait 10 ans qu'il y a des études qui sont faites sur ces vieilles forêts.
et qui, voilà, on pourra vous parler un petit peu plus en détail de ces forêts, on va dire, subnaturelles, qui gardent leur cycle naturel forestier. Je ne m'étends pas plus parce que le but, c'est que vous nous posiez des questions, donc c'est juste pour vous donner envie. Faites gaffe, parce qu'ils en posent beaucoup, des questions. Jacques Azéra, la forêt, le temps de l'arbre et la gestion forestière. Donc moi, je suis un peu à l'extrême opposé de vous deux, parce que je suis expert forestier installé dans le Massif Landais. Alors, le Massif Landais, c'est ce qu'il y a de plus en pointe, à mon avis, en France, sur le territoire national, pour faire de la foresterie intensive, c'est-à-dire mettre des tracteurs, triturer le sol, faire des plantations après avoir détruit les semis naturels, etc., et réduire la durée des cycles de production. Pour le pin maritime, on est passé en gros de 60 ans à 30 ans en une ou deux décennies, 60 ans de cycle de production à 30 ans. Vous voyez, en l'espace de 10, 20 ou 30 ans, bon, enfin, on est vraiment dans une démarche qui se veut ultra-productiviste. Et donc, mon univers est exactement l'opposé du vôtre, je crois. Vous parliez de pic prune et de différentes bestioles qui peuplent la biodiversité de vos forêts anciennes. Nous, on va dans l'autre sens. On réduit, on casse, etc. On fait un grand nombre de dégradations. Et alors, donc, personnellement, moi, je m'oppose un peu à tout ça. Évidemment, c'est là que je vous rejoins. J'essaie de ramener un petit peu de raison dans cette filière qui, à mon avis, va au casse-pipe et va au casse-pipe très vite. Elle accélère en plus. Et le discours que j'essaie de porter, les expérimentations que je fais, les choses que j'essaie de mettre en pratique, que ce soit dans ma forêt personnelle ou chez mes clients, ça ne porte pratiquement pas de fruits vis-à-vis... l'oreille des forestiers professionnels, des forestiers de la filière, se ferme, je dirais, de plus en plus face aux propositions que moi et quelques autres, on essaie d'amener, quelques autres dont Eric est dans la salle, mais on est un petit noyau à essayer de faire ce genre de choses, de proposer des solutions plus raisonnables. Voilà mon univers et voilà l'action que j'essaie de mener. Tout ça, il va falloir évoluer, je serais tenté de dire. On dit souvent dans nos métiers de l'agroécologie que si on mangeait tous des produits agroécologiques, ça irait beaucoup mieux. Et si on consommait tous du bois vertueux, ça irait probablement beaucoup mieux. Est-ce qu'on peut faire des raccourcis de ce type-là ? Marie-France, tu as eu une idée géniale il y a quelque temps. Le temps des arbres, c'est traduit par une nouvelle association dont tu nous dis très brièvement le pourquoi du comment, s'il te plaît. Tu fais bien de me préciser très brièvement, parce que oui. Je n'ai pas toujours l'art de la synthèse. En quelques mots, l'idée était de prolonger, de transformer le propos du film en action citoyenne, en mouvement citoyen. Et donc, très concrètement, d'essayer de participer au déploiement de toutes ces logiques vertueuses, autant au sein du monde agricole que du monde forestier, et surtout d'aider au déploiement de l'agroforesterie. Et donc, on a décidé d'inviter chaque année des classes de troisième cycle, donc du CM1 à la sixième, à accompagner des agriculteurs de leur territoire à replanter des haies ou des arbres en intra-parcellaire, pour accompagner les agriculteurs qui sont sur ces démarches-là, permettre à nos enfants de devenir les acteurs du changement et en même temps se rapprocher de ceux qui font le paysage quotidien et de ceux qui les nourrissent. Et donc cette initiative est née il y a quelques mois lors de la diffusion du film et se concrétisera dès l'hiver prochain
avec déjà à peu près 25 chantiers qui sont en train de se mettre en place à travers tout le territoire. Donc, on va accompagner des vignerons, des éleveurs, des maraîchers du côté de Mulhouse, de Quimper, dans les Landes, en région PACA. Et voilà, c'est cette idée d'accompagner les acteurs du terrain et les experts, les pionniers du terrain, et de faire que ce mouvement de la transition agroécologique devienne l'affaire de tous, et en premier lieu de ceux qui en seront, j'espère, les héritiers, à savoir les enfants. Que quand on fait rentrer les enfants dans l'histoire, en général, on arrive à créer une synergie qui est plus large, qui est plus vague. On s'adresse pas seulement à des férus du monde agricole, mais on s'adresse finalement à la famille et un peu à tout le monde. C'est ainsi qu'est née Des Enfants et des Arbres, une association qui attend de nouveaux adhérents, des dons, des encouragements, et voilà. Ok, merci. Desenfantsetdesarbres.org. Si. Desenfantsetdesarbres.org, exactement. Sur le site est disponible maintenant le film Le Temps des Arbres, qui est disponible à la location. Et donc, regarder le film Le Temps des Arbres nous permet de planter des arbres avec des enfants. Voilà. Est-ce que certains d'entre vous ont vu ce film, Le Temps des Arbres? Oui, il y en a quelques-uns quand même. Bon, ça va. Et bien, les autres, il vous reste jusqu'à la fin de Paysagine Marciac, dimanche minuit, pour le regarder, si vous le voulez bien. En tout cas, un acte pédagogique fort dont on espère que portera ses fruits. Et puis du coup, Nicolas, dans 250 ou 280 ans, ira étudier les trognes. Et bon. Voilà, mais exactement, on se projette dans ces perspectives-là. On se projette, et une fois n'est pas coutume, on se donne le temps d'agir, puisqu'on a vu, beaucoup de jeunesse dans la rue, qui faisait des marches pour le climat, et c'était l'idée d'avoir une démarche pour le climat. Nicolas, on va revenir sur ces très vieux arbres. Ils vont bien? Ils disparaissent? Ils apparaissent? Qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il est utile peut-être que de rappeler ô combien ils sont nécessaires, vitaux, essentiels? Alors, ces plus vieux arbres, comme on a vu, on a beaucoup parlé des trognes là sur l'intervention précédente. Les trognes qui sont un héritage de pratiques qu'on a depuis plusieurs centaines d'années, mais des pratiques qui ont disparu de beaucoup de territoires, même si là on sent qu'il y a une dynamique pour les réintroduire. Le problème, c'est que, en fait, il y a beaucoup de vieilles trognes qui disparaissent. L'arrivée des tronçonneuses a quand même changé les pratiques. On a beaucoup de trognes qui ont disparu. Et aujourd'hui, on relance de la dynamique pour en faire, mais quand on se dit qu'une cavité arrive sur une cavité pour les espèces les plus évoluées, la cavité la plus évoluée demande 200, 250 ans pour commencer à devenir opérationnelle pour certaines espèces, on voit qu'on risque d'avoir un trou. Le recrutement initié aujourd'hui risque de ne pas arriver assez vite par rapport à la perte des arbres qu'on voit, qui sont en train de disparaître. Pour donner un exemple très simple et local, hein, on avait fait des suivis des populations de pic prune dans le Gers. Il y a à peu près 80% des arbres qu'on avait vus en 2000 qui, en 2015, n'existent plus. Donc voilà, il n'y a pas besoin d'avoir des fondements très compliqués pour comprendre qu'il y a beaucoup d'arbres qui sont partis et que même si aujourd'hui on en replante avant qu'ils deviennent favorables, on va attendre 200 ans. Et est-ce que dans 200 ans, les quelques dizaines d'arbres qui restent favorables aujourd'hui seront encore là? Il y a très peu de chances. Donc ça, c'est un exemple qui illustre le concept de continuité temporelle dont on parle beaucoup quand on travaille sur la biodiversité forestière. C'est-à-dire que les habitats en place, il faut tout de suite anticiper du recrutement pour qu'ils soient disponibles tout le temps dans le temps. Une espèce qui vit dans des cavités d'arbres, ça veut dire qu'il lui faut tous les ans des cavités d'arbres sur la parcelle dans laquelle elle vit. C'est des espèces qui se déplacent peu, parfois quelques kilomètres, parfois quelques centaines de mètres. Donc si pendant 10 ans, il n'y a pas de cavités d'arbres, l'espèce n'a plus son habitat et disparaît. Or, 10 ans à l'échelle d'un arbre, c'est quelques minutes à l'échelle d'une vie humaine. Donc, toute la difficulté est de réussir à assurer la disponibilité en habitat, à la fois dans le temps et dans l'espace. Et ces arbres, c'est eux qui sont les porteurs de ces habitats. On parlera, il y aura certainement le mot dendromicro-habitat dont on vous parlera tout à l'heure. On vous a parlé de dendrothèmes à un moment. Les dendromicro-habitats, c'est tous ces petits micro-habitats
qui sont portés par les arbres. Aujourd'hui, il y en a à peu près plus de 130, 137 exactement, si je ne me trompe pas, qui ont été décrits et qui sont, il y a une typologie standardisée au niveau européen qui décrit chacun de ces micro-habitats. Chacun héberge une biodiversité spécifique qui a des rôles fonctionnels. Par la suite, on a parlé du dendrothème, on retrouve la racine dendro, qui sont ces petites poches d'eau qui contiennent de l'eau. Les coulées de sève, par exemple, vont être intéressantes. Il va y avoir les cavités, il va y avoir les branches cassées, le bois mort. L'avantage de la trogne, c'est que les différents usages qu'on en a fait font qu'on a une diversité de micro-habitats qui se concentrent sur un même arbre. Après, l'arbre en forêt, il héberge rarement une telle multitude de petits habitats. Mais par contre, c'est l'arbre en forêt, c'est la multitude des arbres en forêt qui permettent d'avoir une disponibilité en habitat assez large et une grande biodiversité. Et après, il a été montré que cette biodiversité, elle a des rôles fonctionnels à la fois dans le cycle sylvicole, mais aussi pour l'agriculture. Le Dinafor a travaillé sur un papier qui a montré que l'ensemble des petits patchs forestiers qu'on peut avoir sur notre territoire, dans les coteaux de Gascogne, dans le Gers, mais plus on a de petits patchs forestiers, plus on augmente la biodiversité fonctionnelle en termes d'avifaune, de chiroptères, d'auxiliaires de culture qui vont avoir un intérêt pour l'agriculture et pour nos productions. D'ailleurs, il y a même une biodiversité fonctionnelle plus importante quand on a plein de petits patchs plutôt qu'un gros patch, parce qu'il y a des effets lisières plus importants. Donc les services sont plus accessibles pour le milieu agricole. Donc l'arbre, il y a différentes notions. L'arbre, dans la forêt, ils vont être en cohorte dans une forêt. L'arbre ne peut pas être différencié des autres arbres dans lesquels il se trouve. Dans le paysage ouvert, par contre, l'arbre, il va être isolé. Et finalement, la trogne, en un arbre isolé, on lui demande de porter l'ensemble des petits habitats portés par une multitude d'arbres dans la forêt. Ah, c'est des contextes. Et tout à l'heure, il y a eu une question sur le fait d'avoir l'interaction humaine avec l'arbre. Ça renvoyait à la notion de libre évolution. Vous voyez, la dame, elle avait ça derrière. Pourquoi on ne laisse pas faire la nature toute seule ? Il y a des grands projets qui émergent de recréer une forêt primaire en Europe de l'Ouest. Donc, pourquoi pas la France, pourquoi pas l'Allemagne ? Ce qu'il faut comprendre, c'est que sur le fonctionnement d'une forêt, pour que le fonctionnement naturel puisse bien se dérouler, il y a des jeunes arbres qui grandissent. Ils finissent par grandir au bout de 300, 400, 500 ans. Ils tombent par terre, ils se dégradent pour retourner au sol. Par contre, ça, ce n'est pas homogène dans l'espace. Un fonctionnement d'une forêt, c'est plein de petites patches avec des petites parcelles où il y a des jeunes arbres, des parcelles où il y a des plus vieux arbres. Au milieu des plus vieux arbres, il y a aussi des jeunes arbres. De temps en temps, il y a une tempête. Les arbres les plus fragiles tombent. Ça crée une trouée dans un fonctionnement de forêt non anthropisée avant qu'on ait un impact sur notre couverture forestière. On peut imaginer qu'une grosse tempête entraînait des dizaines d'hectares de forêt complètement ouvertes, au sein duquel, en plus, il y avait du pâturage par des grands herbivores. Mais là, il y a de la régénération qui se mettait en place. Puis les arbres, ils revieillissaient. Et puis c'était un petit peu à côté qu'il allait y avoir des arbres plus fragiles qui allaient tomber. Et puis, même au sein de ces petites unités, ce n'était pas homogène. Il y avait des jeunes, il y avait des petits. Voilà. Toute cette hétérogénéité à la fois spatiale et temporelle, c'est ça la forêt, on va dire, naturelle, le mythe de la forêt naturelle, qu'on n'a plus du tout en Europe, hein, qui n'existe plus. Et en fait, aujourd'hui, on est obligé d'assister la nature pour essayer de recréer ces choses-là. Donc, même si on veut faire de la libre évolution en forêt, on ne peut pas avoir toutes ces phases, toute cette hétérogénéité sur quelques dizaines d'hectares. Ça demande des dizaines de milliers d'hectares pour que ça soit possible. Et en agissant, par contre, sur les arbres en milieu ouvert, on essaie de recréer un petit peu le maximum de biodiversité. C'est le principe de la trogne. Néanmoins, Sophie, je peux compléter ? Nous vous écoutons. Il ne marche plus. Si, si. Il marche très bien. Néanmoins, il reste quand même des patchs qu'on a inventoriés, où il reste, alors quand on parle de patchs, de reliques, c'est donc ce que je vous parlais tout à l'heure, les vieilles forêts pyrénéennes et de plaine sur lesquelles on a travaillé avec Nicolas et tout le reste des chercheurs dont je vous ai fait la liste. Ce sont donc ces vieilles forêts, il n'y en a que 4% dans les Pyrénées d'Occitanie. Donc ça représente de la surface forestière, oui. Ce qui représente à peu près 12 000 hectares.
au niveau des vieilles forêts de plaine, il n'y a que 0,5% de la couverture forestière des plaines de Midi-Pyrénées. On est à 580 hectares. Donc ça, c'est vraiment des reliques. Alors justement, je vous parle de vieilles forêts. Je vous ai dit tout à l'heure que c'était des forêts anciennes et matures. Est-ce que ça vous parle un peu? Ou est-ce qu'il y a besoin un peu de détailler? Oui. Alors, parce qu'une vieille forêt n'est pas qu'une forêt ancienne. Enfin, il y a un socle de forêts anciennes, c'est-à-dire des forêts qui ont une continuité de l'état boisé depuis au moins le minimum boisé en France, 1850, donc la moitié du 19e siècle. On se base sur les cartes d'état-major. C'est là où il y avait le minimum boisé. Parce que vous savez peut-être que depuis le néolithique, depuis 5000 ans, dans les Pyrénées notamment, dans cette partie-là du sud-ouest, on a commencé à défricher les forêts depuis la base, depuis les lisières des villages et depuis les lisières hautes également pour avoir de la prairie. Quand vous vous baladez en montagne, dans l'étage montagnard et supérieur notamment, quand vous êtes dans des endroits de prairie, c'est pas de la pelouse naturelle, c'est parce que ça a été défriché depuis le néolithique pour avoir des prairies pour mettre en pacage les moutons et les vaches. Donc on a commencé à impacter les forêts déjà à ce niveau-là. Ensuite, il y a eu toute la période de bois de mâture pour faire les bois de bateaux pour le commerce et pour la guerre. Il y a eu également toute une période de charbonnage où on faisait surtout du taillis. On parlait tout à l'heure, il y a eu des questions sur la différence entre une trogne et un taillis. Donc on recèpe les arbres depuis la base pour pouvoir faire du charbon. Donc ça a énormément modelé les paysages. Et il y a eu également l'exploitation par câble. Donc c'était sortir les bois dans les fortes pentes, notamment par un système de téléski tout simplement. Hein, un système de câbles qui sortait les bois. Vous visualisez un petit peu? Oui? Donc il y a eu tous ces impacts-là qui ont fait qu'on a réduit la surface forestière en 1850 à seulement 10 à 15% de couverture forestière, au lieu d'une 32% au niveau français à l'heure actuelle. Donc déjà, il faut que, pour être une vieille forêt, il faut déjà être forêt en 1850. On se base, donc, comme je vous l'ai dit, sur les cartes d'état-major de Cassini, un siècle avant. Et on se base aussi sur des indicateurs taxons, comme le Lobaria pulmonaria, par exemple, qui est un lichen, qui est indicateur de continuité de l'état boisé. Donc ce sont des forêts qui n'ont pas été défrichées. Et ensuite de ça, on calque par-dessus de la maturité forestière. Donc Nicolas parlait du cycle naturel des forêts, qu'on appelle le cycle sylvigénétique, qui est composé dans 5 phases que tu as décrites depuis la croissance des arbres jusqu'au déclin, qui est dynamique dans le temps et dans l'espace. Donc déjà, il faut que ces forêts-là, elles aient leur cycle complet, et qu'on se trouve notamment dans les derniers stades du cycle. Et on aura la présence également des espèces dites de dryades, c'est-à-dire les espèces de fin de succession écologique. Donc, c'est-à-dire, selon les étages bioclimatiques, le hêtre et le chêne sessile à l'étage collinéen, donc ici par exemple. On aura ensuite le hêtre et le sapin dans l'étage montagnard, puis que le sapin dans l'étage montagnard supérieur. Et enfin, au subalpin, le pin sylvestre ou le pin accroché selon les expositions. Donc, il faut qu'on ait ces espèces de fin de succession écologique. Vous savez qu'une forêt, si jamais il y a une tempête par exemple, ou une exploitation forestière qui ferait par exemple une coupe rase, comme malheureusement on a ici, on va commencer par la ronce qui va revenir, puis on va avoir les bouleaux, puis toute la série des merisiers, des charmes, enfin toutes les espèces qui vont succéder jusqu'à arriver aux espèces de forêts matures. Où si théoriquement il n'y a pas d'accident, de perturbation, on n'aura pas d'autres espèces qui viendront après le chêne ou le hêtre ou le sapin selon les étages. Sauf si, bien sûr, il y a une perturbation, une tempête, un incendie ou une exploitation forestière qui remet un peu le peuplement à zéro. Donc il faut qu'on soit sur les cycles, les fins de succession écologiques, donc les espèces de dryades. Il faut aussi qu'on ait des très gros vieux arbres. Donc ça, il faut qu'ils fassent notamment, on se base sur des critères, par exemple en montagne, il faut qu'ils fassent 70 cm de diamètre, on les mesure à hauteur de poitrine, à 1,30 m. Il faut aussi qu'on ait du gros bois mort au sol et sur pied. Alors pourquoi ces éléments-là sont importants? Parce qu'on sait que c'est à partir des très gros diamètres qu'on commence à avoir une diversité importante de ce que Nicolas appelait les dendromicrohabitats. Donc ça va être
des habitats qui vont être formés par des accidents que peuvent avoir l'arbre dans la vie. Par exemple, une cavité qui va se former par un rocher qui va tomber sur le tronc, par exemple. Du bois mort dans le houppier, des branches qui vont casser. Il va y avoir aussi toutes les épiphytes qui poussent dessus, donc le lierre. Voilà, tout ça, c'est les différents types décrits dans le catalogue dont parlait Nicolas. Donc c'est à partir de ces gros diamètres, comme les arbres vont vivre plus longtemps, ils vont avoir plus d'accidents, d'aléas, et donc il va y avoir ces habitats qui vont se créer. Et les gros bois, c'est parce que c'est à partir de ces diamètres-là, il y a des publications qui se sont formées, les gros bois morts au sol et sur pied, c'est à partir des diamètres 40, notamment, centimètres, qu'on va avoir le maximum de richesses d'espèces, de différentes espèces, et notamment des espèces spécialistes, des milieux forestiers, dont le métier, c'est de faire tourner l'écosystème forestier, qu'on appelle les espèces saproxyliques, c'est-à-dire les espèces qui vivent tout ou partie de leur vie aux dépens du bois mort, et qui participent grandement à former l'humus. Et les espèces spécialistes ne peuvent s'exprimer qu'à partir de ces gros bois. Avant, ce seront des espèces pionnières qui vont s'installer. Et s'il n'y a pas assez à manger, on va dire, les spécialistes ne pourront pas s'installer sur ces bois morts en décomposition. Donc c'est pour ça que ça, c'est important, ça fait partie de la maturité forestière. Et je vais en terminer là-dessus, parce qu'on pourra développer un peu plus tard après. Le souci, c'est que voilà, on est sur des reliques, parce que voilà, je vous ai parlé un petit peu d'exploitation forestière dans les Pyrénées. En plaine, il y avait encore moins de contraintes d'exploitation, donc il y a encore moins de vieilles forêts. Et donc ces patchs très relictuels font que cette faune et cette flore et ces champignons saproxyliques se sont réfugiés dedans. Mais il n'y a plus que... excusez-moi, je suis très confuse ce soir. Il n'y a que 25% de la biodiversité forestière qui est composée par ces saproxyliques. Et il y a 40% de ces espèces qui sont menacées d'extinction au niveau national et européen par le fait qu'il manque du bois mort en forêt et des gros vieux arbres. Comme disait Nicolas, on en trouve très peu. Et donc, ils ne peuvent pas faire leur cycle de vie parce qu'il leur manque ces attributs de maturité forestière. En France, il y a plus de 75% des forêts qui ont moins de 15 mètres cubes hectares de bois mort. Alors qu'on sait que pour les coléoptères saproxyliques dont parlait Nicolas, il leur faut au moins 50 mètres cubes de bois mort à l'hectare, je parle. Donc aujourd'hui, les forêts françaises sont jeunes, en grande partie, vu l'histoire et les effets gestion. Et il manque énormément de bois mort et de gros vieux arbres, parce que notamment on veut faire propre. Quand il y a une exploitation forestière, souvent on veut faire propre, on enlève ce bois mort. Donc ça, c'est le souci des forêts à l'heure actuelle en France. Et ces saproxyliques, même si c'est que 25%, c'est quand même un quart, c'est elles qui ont le métier forestier, qui ont le métier de faire tourner l'écosystème forestier pour avoir des forêts en bonne santé. Voilà, j'ai été un peu longue, excusez-moi. Merci. Jacques. Comment dans les Landes, même si le discours n'est pas toujours audible, il va pourtant falloir qu'il le soit, puisque à un moment donné, il va falloir trouver le juste milieu entre production et protection, on peut imaginer. Comment on s'y prend là concrètement tout de suite dans une forêt de plus en plus jeune, un peu comme la Trogne, mais ce n'est pas pour les mêmes raisons. Alors, déjà, je pense que il faut... expliquer, réexpliquer et recommencer tout ce que Sophie vient de dire. Et notamment, une chose très importante qui n'a pas été dite, je crois, c'est que la présence du bois mort, par exemple, debout ou par terre, le volume de bois mort à l'hectare est un facteur qui permet, qui favorise la production du bois vivant. C'est-à-dire que plus on va avoir de bois mort, et plus on pourra faire de la production, avoir du bois vivant, du bois commercialisable. Plus on fait de sacrifices, et plus on gagne de l'argent pour aller vite. Ça, alors, pour l'instant, ça c'est quelque chose qui est totalement inaudible dans la filière landaise, mais en France, quand les autres régions de France sont plus raisonnables. Là, je vous parle de ma région, c'est vraiment catastrophique. Il y a cet aspect donc sur le bois mort, où l'augmentation de bois mort permet une augmentation
de production. J'espère que je ne dis pas des bêtises, hein, je parle sous votre contrôle. Mais il y a autre chose aussi, c'est que la gestion forestière landaise surtout, mais de plus en plus, elle fait école, elle s'achemine vers des peuplements monospécifiques de plus en plus purs, des monocultures de plus en plus strictes. C'est-à-dire qu'on laisse pas, quand une fois qu'on a fait une plantation de pins maritimes, eh ben on ne laisse pas le moindre brin d'herbe dépasser, on supprime, on détruit tout ce qui n'est pas pins maritimes. Les chênes n'ont pas intérêt à pousser, à rentrer en voie qui sont. Les chênes, mais même. Les bourdaines et autres. Toute la flore, qu'elle soit herbacée, arbustive ou quoi que ce soit, on l'accuse d'être. Des concurrentes vis-à-vis de l'arbre, concurrentes pour l'eau, pour les éléments nutritifs, etc. Ça aussi, je pense qu'il faut répéter, expliquer, recommencer, dire que le mélange d'espèces arborées, mais pas seulement, hein, le mélange favorise la production aussi. C'est-à-dire que plus on va sacrifier de l'espace à des bouleaux, des chênes, d'autres essences que les résineux. Et plus on va gagner en production, notamment sur les résineux, mais en plus on pourra éventuellement avoir aussi peut-être une petite production de chênes ou de bouleaux, enfin un petit plus qui peut être un grand plus, ça dépend. En tout cas, voilà, ces deux aspects qui sont absolument majeurs dans la compréhension du fonctionnement d'un écosystème forestier, la présence de bois morts, avec tous les cortèges d'insectes, de saproxyliques, etc., qui les accompagnent, et l'acceptation d'un mélange d'espèces, pour autant que les stations le permettent. Et tout ça, ce sont deux facteurs primordiaux dans la compréhension de la gestion forestière, et ce sont deux facteurs qui sont totalement, comment dire, bafoués, dans la gestion concrète actuellement. On a un commentaire sur YouTube qui dit j'ai de la peine pour ce monsieur, il ne va pas y arriver. Mais... Non, je me régale, j'ai tout à faire dans ma région, j'ai tout à inventer, voilà. C'est génial. Toi, j'ai pas envie d'arriver un jour à la retraite. Toi qui es jeune et dynamique, tu as toute l'attitude pour arriver à mettre à bien ce projet. Ce projet, on va le mettre à bien ensemble, c'est aussi ça, Paysagine Marciac. Que mangeons-nous? Comment? Et de quel morceau de bois nous chauffons-nous? On entend bien que, même s'il y en a déjà beaucoup, des chartes, des labels et des indications diverses et variées, vivement la planche vendue avec bois mort compatible, puisque ça, c'est l'entrée en matière, probablement. Et on est assez d'accord là-dessus que dans tous ces écosystèmes, quel qu'il soit, le bois mort est le moteur de la chose. Jacques. Oui, je voulais juste revenir sur une partie de la question précédemment posée. Tu m'as demandé comment on faisait dans ma région pour progresser. Oui, un petit peu, oui. Donc, j'avais commencé à répondre que vis-à-vis de la filière professionnelle, c'est à peu près au point mort, même si ça se fissure. Et moi, j'ai de plus en plus de clients qui viennent vers moi parce qu'ils sont justement pas satisfaits de ce qu'on leur propose dans la coopérative ou ailleurs. Mais il y a un autre moyen de progression, et notamment c'est l'opinion publique, où là, le discours qu'on porte à l'association ProSilva et dans cette mouvance du réseau des alternatives forestières qu'a évoqué Madame Marie-France Barrier. Marie-France Barrier, pardon. Tout ça, c'est quand même des propos qui sont vraiment très très bien. Reçu dans le grand public et puis aussi dans les médias. Et alors, on a la chance d'être tout à fait en phase avec des mouvements comme ceux que vous portez ici à Arbres et Paysages 32 et puis quelques autres. Donc, c'est une espèce de réseau qui est en train de se mettre en place un peu de façon souterraine, mais très concrète, où des liens se tissent. Des études viennent conforter les intuitions que nous, on pouvait avoir, nous gens de terrain, des études sur justement les réseaux mycorhiziens et autre chose, le fonctionnement des écosystèmes. Voilà, quasiment tout ce qui est nouveau dans la connaissance et dans les relations va dans notre sens et nous pousse en avant.
Donc voilà, là j'espère avoir mieux répondu à ta question. Oui, oui, clairement. Et puis ça pourrait aller aussi vite que la vigne. La vigne a complètement bougé en 2 ans, mais totalement. C'est assez invraisemblable. Alors, moi, et nous... c'est bien l'opinion publique qui a mis sur les rails cette viticulture autour de l'agroécologie. Personne ne l'a vu arriver. Pour tout ça, pour dire que ce n'est pas venu d'en haut. Et oui. Pour le coup, moi, ça pourrait venir d'ailleurs. Je remarque un mouvement net depuis un an et demi, 2 ans en forêt pour ce qui concerne les propos qu'on tient et l'activité de mon cabinet d'expertise aussi. Oui. Voilà. Donc y a un net changement d'ambiance, de température depuis un an et demi à peu près. Les sujets de société doivent toujours être traités en société. Marie-France, nous t'avons vu et nous t'écoutons. Non, je voulais rebondir vraiment sur ce que disait ce monsieur et je trouve que c'est super qu'il y ait des connexions entre le monde, ce nouveau monde forestier, ces nouvelles modes de réflexion incarnés par ce monsieur. Parce que je pense que là, quand on parle de ces cultures, de faire une civiculture qui veut que tout soit propre, que la coupe rase, on met les sols à nu, il y a une telle connexion et une telle reproduction des systèmes agricoles intensifs qui est en train de s'appliquer dans le monde forestier, en fait, pour faire propre dans les sous-bois, comme il fallait faire propre dans le monde agricole, labourer, avoir des terres bien bien propres, bien bien nettoyées. Enfin, il y avait un peu ce jeu de miroir. Et en fait, le fait que ces connexions entre le monde agroforestier et agricole qui se rénove, se mettent en lien avec ce monde forestier qui se rénove, ça a beaucoup de sens parce que pendant longtemps, en fait, c'était deux mondes qui étaient un peu dos à dos. Il y avait la forêt d'un côté et le monde agricole de l'autre. Et je trouve que ça a beaucoup de sens que cette connexion se fasse parce que ce qui va se émerger aussi dans les pratiques agricoles nouvelles avec des nouveaux liens au sol, avec un nouveau lien à la biodiversité, à la place des auxiliaires, finalement va percoler, mycorhiser aussi dans le monde agricole et qu'il y a beaucoup de ponts à faire. Et voilà, donc je voulais souligner le fait que je trouvais que ça avait beaucoup de sens que chacun soit là et que ce soit pas juste l'arbre agricole ou l'arbre hors la forêt, mais finalement ces deux mondes doivent apprendre à se pleinement se réconcilier pour justement apporter un contre-modèle parce que voilà c'est pas un contre-modèle, c'est un modèle normal, voilà, du coup c'est comme un éco aujourd'hui on parle d'éco-quartier, pourquoi pas d'éco-conneries aussi, on fait des quartiers qui produisent de l'énergie et qui arrêtent d'en consommer. Je pense, au regard de ce que tu dis, je pense à l'exportation de la paille dans les champs, puisque sur le chat, on dit dans les Landes, et il est vrai, on le voit souvent, on exporte aujourd'hui aussi la racine, soit pour faire de la tourbe, soit pour faire de l'énergie. C'est-à-dire, non seulement on ne laisse pas de bois mort, mais aujourd'hui, on enlève encore la racine pour gagner 10 euros qui vont faire s'effondrer ces sols qui sont d'une fragilité redoutable. Sophie, parle-nous un peu de corridor, de connexion et de connectivité, et puis tout ce que tu avais envie de dire. Remets-nous en connexion. Je voulais rebondir justement si sur les ponts qui sont importants d'être faits entre l'espace. Tu vas te faire une pote là. Entre l'espace agricole et forestier. Bon, déjà, il y a les trognes dont parlait Nicolas et les vieux arbres qui font ce lien entre. Voilà, on peut très bien imaginer, en fait, on va espérer faire, enfin, on va le faire, une journée technique sur une trame de vieux arbres en décembre prochain avec les acteurs du monde agricole et les acteurs du monde forestier pour essayer de dessiner une trame de vieux arbres en Occitanie sur le socle de données qui existe aujourd'hui. Donc, je vous ai parlé de l'inventaire des vieilles forêts. Il y a aussi l'Office national des forêts qui a des zones d'îlots de sénescence, de vieillissement, des réserves biologiques intégrales. Il y a le réseau des réserves nationales et régionales aussi qui peuvent avoir des îlots de vieux arbres. Au niveau agricole, il y a justement les vieux arbres champêtres, les trognes, et de voir ces liens qui peuvent être faits à travers ces corridors que peuvent représenter les vieux arbres agroforestiers entre les zones de cœur de biodiversité forestière, que ce soit des îlots de vieilles forêts ou des arbres disséminés en pleine forêt qui peuvent être porteurs de cavités, qui peuvent être porteurs de dendromicro-habitats. Et ce lien entre l'agriculture et la forêt, elle est d'autant plus importante que
Il y a le plan national de la forêt et du bois décliné en plan régional de la forêt et du bois, qui est la politique forestière sur les 10 années à venir, portée par l'État et notamment la DRAF, qui est la Direction régionale de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt. Donc ces deux milieux-là sont gérés par le même ministère, sauf que le plan régional de la forêt et du bois est très productiviste. C'est-à-dire qu'il tend à faire un modèle basé sur l'agriculture intensive pour la forêt. Donc c'est le modèle landais notamment dont nous parlait Jacques. Et c'est lié notamment aussi au fait que la France est équipée de canters. Donc ce sont des scieries de petit diamètre basées en fait sur les modèles finlandais où on a des épicéas ou des pins sylvestres mais qui sont de petit à moyen diamètre. Et ces scieries-là sont adaptées à ces petits et moyens diamètres. Et la France s'est dotée de ces machines-là. Donc maintenant, il faut les faire tourner et on cherche à plier la forêt à ces machines-là au lieu d'adapter l'industrie à la forêt. Vous voyez, c'est l'inverse qui se passe. Donc ça cause des réels soucis où on a les fameuses réductions de rotation dont tu parlais tout à l'heure ou de révolution, où on baisse les diamètres d'exploitabilité. On passe pour le Douglas, il pourrait être exploité à 80 et plus, 80 ans et plus, il est exploité à 60 ans, 40 ans même maintenant. Pour le pin maritime, c'est pareil, je parle sous ton contrôle, c'est bien réduit. Pin maritime, on est à officiellement 30-35, mais moi je vois des coupes rases qui se font à 20-25. Voilà. Donc on réduit de plus en plus. Oui, pour une espèce qui a une espérance de vie de 200 ans, disons. Voilà. Et dont on pourrait faire d'autres produits à forte valeur ajoutée au lieu de le réduire en produits de bois d'industrie ou bois énergie. Et un autre souci qui pèse très fort sur la forêt, c'est notamment le bois énergie sous ses formes pelées granulées. Parce que justement, à la base, c'était la bonne idée, c'était d'exploiter les connexes de scierie, c'est-à-dire tout ce qui va être les déchets de scierie. Sauf que ça n'a pas suffi. Maintenant, il faut aller chercher ce qu'on laissait en forêt avant, c'est-à-dire les purges. Vous avez un arbre, il peut avoir des défauts au niveau du collet ou jusqu'à un mètre. Donc on coupe et là, on prend la bille de pied qui va servir à faire du bois d'œuvre. Et puis voilà. Ou alors on le transformait en pâte à papier si jamais il y avait des défauts. Aujourd'hui, on prend tout, c'est-à-dire on prend la bille, mais on prend aussi la base entre le collet et la bille, qu'on va transformer en plaquettes, par exemple. Et puis on sort aussi les houppiers, pour, pareil, le transformer en plaquettes ou granulés. Or, que ce soit cette purge de pied, qui formait parfois du bois mort très intéressant pour les fameux cortèges saproxyliques, parce que parfois ça peut être des gros diamètres, ça restait en forêt, donc ça pouvait faire des billons d'un mètre de long qui restaient en forêt, donc ça servait aux saproxyliques. Donc ça, c'est très important, comme je vous expliquais, pour que toutes les spécialistes, les espèces forestières spécialistes puissent se développer et former l'humus, et former des bois de qualité après sur des humus de qualité. Et on sort aussi donc les houppiers. Et les houppiers, c'est très important de les laisser, parce que c'est là où l'arbre va concentrer l'essentiel des éléments minéraux qu'il aura eu du mal à capter dans le sol. Le phosphore, par exemple, s'accumule dans les feuilles et les jeunes rameaux, enfin les rameaux fins. Or, aujourd'hui, ça a tendance à partir en plaquettes et en pelées. Donc, en fait, c'est comme l'agriculture intensive, on exporte les pailles, en fait, on exporte les houppiers. Une précision sur ce que tu dis, c'est qu'il arrive de plus en plus qu'on coupe les arbres, notamment feuillus, en toute saison, c'est-à-dire qu'on va couper en juillet, en août, en juin, des arbres entiers, feuillés, et qu'on exporte en entier. On voit des piles de feuillus en bord de route qui sont entiers. Et vous avez 500 mètres cubes d'un coup, comme ça, une grande coupe rase de chêne, de bouleau. Récemment, je suis tombé sur une pile comme ça de bouleau entier, au bord d'une piste. Il n'y a plus trop de tri parfois qui se passe aussi. Parfois, il se passe des coupes rases. Donc, il y en a dans le Gers, il y en a dans le nord du département des Hautes-Pyrénées. On est confronté à ça. Et du coup, fait par des exploitants peu scrupuleux. Et ils coupent tout, et puis quand le projet c'est surtout de faire du bois énergie, si à l'intérieur il peut y avoir une belle bille qui aurait pu faire du bois d'œuvre, ben parfois c'est mis dans le même tas. Et il y a des broyeurs aujourd'hui qui peuvent broyer sans souci des arbres de 70 cm de diamètre, il n'y a pas de problème. Alors que ça aurait pu être valorisé soit en bois d'œuvre, ou alors en palette, ou en autre produit, ou en pâte à papier. Voilà. Donc aujourd'hui, il y a ce réel souci. Il y a aussi les coupes de ripisylves aussi, énormément. Donc c'est les forêts rivulaires, les forêts que vous avez en bord de cours d'eau, en linéaire, qui font ces corridors également entre les milieux forestiers, agroforestiers et la rivière.
Et aujourd'hui, on assiste à des gros problèmes de coupe rase sur la répissive. Alors pourquoi ça se fait aussi facilement? Parce qu'il faut savoir que 3/4 de la forêt française, elle est privée. Et que par exemple, en Midi-Pyrénées, mais c'est ce qui se passe aussi, en ex-région Midi-Pyrénées, mais c'est ce qui se passe aussi au niveau de la France, 87% des propriétaires ont moins de 4 hectares. Or, le code forestier protège les forêts de plus de 4 hectares. Au-delà de 4 hectares, il faut faire des demandes d'autorisation de coupe. Il y a, par département, des arrêtés préfectoraux qui sont pris, qui peuvent aller en deçà, qui peuvent baisser ces seuils. Aujourd'hui, selon les départements, on peut être à 2 hectares. Au-delà de 2 hectares, il faut demander une autorisation si on veut faire un défrichement ou une coupe rase ou prélevant plus de 50% du volume de la futaie. Sauf que ce qui se passe, c'est comme on a énormément de... Parfois, j'appelle ces parcelles-là en fait en note de piano. Vous avez des parcelles, si vous regardez, amusez-vous à regarder sur Géoportail les parcelles cadastrales en forêt. Vous avez parfois des bandes de 50 mètres de large sur 200 mètres de long qui sont alignées. Et quand il y a un exploitant forestier peu scrupuleux, ben, il va voir Pierre, Paul, Jacques, il va leur dire, voilà, je vais vous faire, une forêt, c'est comme un jardin, il faut venir couper tout ça, il faut venir entretenir, il faut venir rajeunir. Il va faire une coupe rase, parfois en leur volant du bois, et puis ils font ça à chaque parcelle. À la parcelle, c'est légal, vu qu'on est parfois en dessous de moins de 2 hectares. Mais au niveau du paysage et au niveau du massif forestier, on peut avoir jusqu'à 70 hectares de coupe rase, mais où on ne peut rien faire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a une association nationale qui essaye de... Et alliée avec d'autres associations aussi, donc je pense à l'association Canopée, mais associée à France Nature Environnement, associée à d'autres associations, qui essaye de descendre ces seuils à 0,5 hectares. Qu'on ne puisse pas faire de coupe rase, qu'il faille faire une demande d'autorisation et que ça passe devant l'État pour ces problèmes de coupe. Et la ripisylve, c'est également un problème parce qu'elle est légiférée par aucun code, en fait. Il n'y a pas le code forestier qui s'y applique. C'est un peu un no man's land juridique sur les ripisylves. Voilà les problèmes forestiers aujourd'hui. On va poser une question difficile à Nicolas. Une note d'optimisme dans tout ça? Oui, parce qu'il y a quand même là, actuellement, là on voit, pour les forêts, c'est relativement compliqué aujourd'hui. On a pris une voie d'industrialisation de la forêt dans beaucoup de secteurs qui rendent les choses compliquées et qui rendent d'ailleurs la forêt très vulnérable. Il y a des régions de France aujourd'hui, dans le Grand Est, ils pleurent de ces grandes monocultures avec l'arrivée des scolytes, ou le scolyte quand il est arrivé. La forêt étant devenue tellement fragile, parce que ça la rend fragile de l'homogénéiser et de la standardiser, eh bien, ils ont vu leur forêt, tout leur capital, disparaître de manière dramatique d'un point de vue économique pour eux, alors que c'était déjà des forêts qui avaient été plantées avec nos impôts, parce que là, pour le coup, c'est des forêts issues des périodes de fonds forestiers. Précision, le fonds forestier, effectivement, c'est vrai. Le fonds forestier national qui a marché jusqu'en 2000, je crois, depuis la Deuxième Guerre jusqu'à 2000. Ouais. En fait, il était alimenté par l'aval de la filière, par les industries, je crois. C'est-à-dire les scieurs, les usines de pâte à papier. C'est pas le contribuable. Il y a quand même, on voit dans tous les programmes subventionnés des aides à la filière, souvent aussi dans ces grands processus de plantation, avec des aspects carbone, avec plein d'aspects. Oui, mais ça, c'est récent. C'est plus récent. Voilà. Le FFN, mais le FFN c'était autre chose. Faut pas se dire que c'est que... Enfin, économiquement, c'est pas finalement si indépendant, cette industrialisation de la forêt. Aujourd'hui, la filière est quand même relativement soutenue et ça la fragilise. Et là, dans le Grand Est, ils pleurent aujourd'hui. Dans les Landes, on emprunte la même voie. Il y a eu des travaux de recherche qui montraient que maintenir des petits îlots de feuillus, c'était quand même hyper intéressant, mais ce n'est pas les voies empruntées. Par contre, d'un autre côté, aujourd'hui, là, le thème du débat, c'est le temps des arbres. On est vraiment rentré dans le temps des arbres, dans le sens où c'est à savoir quelle va être la métropole qui va soutenir ou quelle va être la région qui va soutenir le plus grand nombre d'arbres à planter. Il y a eu une course à l'échalote, c'est les Turcs, il me semble, qui, en fin d'année dernière, avaient planté, ont battu le record du monde d'arbres plantés, en disant on va planter plusieurs millions d'arbres plantés pour lutter contre le changement climatique, des travaux énormes engagés, pour qu'aujourd'hui, il y ait 90% de pertes quasiment qui soient apparues. Il y a cette course et il y a un vrai cadre stratégique qui doit être mis. Ça revient aussi avec les questions de connectivité.
Nous, on a travaillé fortement sur les vieilles forêts. Alors, ces vieilles forêts, on les considère comme les quelques bouts de ce qui ressemblerait le plus à la forêt originelle qu'on avait chez nous. Ça, on dit ça, mais ça, c'est les quelques restes de l'écosystème naturel dans lequel on est venu s'installer, dont on a profité pour développer nos civilisations. Ça, on dit ça, il faut être capable quand même de les préserver. Après, quand on plante des arbres, il faut réfléchir au cadre stratégique de se dire, voilà, il faut profiter de ces plantations d'arbres pour les orienter stratégiquement, pour faire de la connectivité entre ces réseaux de forêts originelles. Il ne faut pas les planter. Le but, ce n'est pas de planter des arbres pour planter des arbres. Aujourd'hui, il y a vraiment ce cadre où on plante des arbres, on se dit, si j'ai planté 2000 arbres, j'ai fait quelque chose pour l'environnement. Ouais, peut-être. Est-ce qu'on les a plantés au bon endroit? Est-ce qu'on a optimisé le cadre de plantation de ces arbres? Et ça, je pense qu'on n'en est pas encore là. Donc, il y a une vraie volonté, parce que réchauffement climatique, on n'en parle pas partout, de se dire, il faut planter des arbres, mais le cadre stratégique, il n'est pas encore complètement là. Alors, vous êtes en plein dedans aussi, les associations arbres et paysages. Et c'est là qu'on voit que le lien entre le monde forestier et le monde agricole, il doit se renforcer, le dialogue, il doit se renforcer pour qu'il y ait une synergie d'action entre la préservation des vieilles forêts, des exploitations alternatives de forêts placées stratégiquement. On ne pourra pas couper au fait d'avoir des forêts de plantation, de pins. Le bois de construction, aujourd'hui, il est principalement en résineux. D'un point de vue des labellisations pour construire des maisons, le chêne, aujourd'hui, c'est très compliqué. Construire une maison en chêne, c'est illusoire. C'est des coûts financiers. Voilà. Donc, il y aura forcément une phase d'industrialisation de la forêt par secteur. Mais en même temps, est-ce qu'on doit homogénéiser les landes? C'est homogène sur une telle grande surface que presque on pourrait se dire que c'est un combat perdu. Et c'est très bien qu'il y ait des personnes qui arrivent à s'investir dedans pour montrer qu'il y a un système alternatif. Mais il faut qu'on arrive à avoir une cohérence entre milieu forestier, milieu agricole et pratiques sylvicoles alternatives, tout en gardant des secteurs où il y aura de la forêt. On aura besoin d'avoir du résineux. Hein. On peut se poser la question, est-ce qu'il vaut mieux avoir du résineux local ou du coup faire venir du résineux d'Europe du Nord, voire de plus loin, pour faire de la construction? Enfin, il y a toute cette réflexion qui doit être mise en place. Mais, donc je pense que pour les forêts, c'est compliqué. Par contre, les arbres, on en parle beaucoup en ce moment. Par contre, il ne faut pas non plus planter n'importe quelles espèces. Voilà, parce qu'aujourd'hui, on est face aussi en forêt à des questions de migration assistée, partant du fait que les modèles d'adaptation, c'est souvent de migrer ou d'avoir des variabilités génétiques qui fait qu'on peut résister ou s'adapter à des changements de conditions du milieu. Et certains estiment que les changements climatiques globaux aujourd'hui vont à une vitesse telle que les arbres n'auront pas le temps de faire cette migration. Donc certains pensent à prendre du chêne vert et commencer à le monter en latitude, dans le nord de la France par exemple. Et d'autres pensent, les espèces vont pas s'adapter. Et on va en plus de ça aller chercher, par exemple, des sapins méditerranéens, mais qui sont qui sont exogènes. Donc on va chercher en Turquie ou qu'on va chercher en Céphalonie, donc dans une île grecque. Et le problème, c'est que ces espèces-là, déjà, est-ce qu'elles seront déjà mieux adaptées? Quid de cette question-là? Parce qu'en fait, elles poussent déjà dans des sites pluvieux de Turquie ou de Grèce. Donc, ils ne sont pas forcément adaptés aux conditions de sécheresse. Et en plus de ça, elles ont un fort pouvoir hybridant avec le sapin pectiné local dans les Pyrénées, par exemple. Donc, ça pose des réels soucis de pollution génétique et de pouvoir perdre des souches de sapins locaux qui sont déjà adaptés aux conditions locales et qui peuvent peut-être s'adapter. Et des cortèges d'espèces qui sont associés. Le souci également, c'est qu'on a en fait des sapins déjà adaptés à des conditions hydriques compliquées. C'est les sapins du Volvestre qui poussent à 400 mètres d'altitude, alors que le niveau optimal du sapin, c'est l'étage montagnard à partir de 1500. Enfin, l'étage montagnard moyen est supérieur entre 1500 et 1900 mètres d'altitude. Il y a un petit peu en dessous, mais 400 mètres, 500 mètres, c'est rare pour le sapin pectiné. Donc là, on a des souches de sapins pectinés qui sont adaptées à des conditions de station difficiles pour eux, qu'on pourrait plutôt étudier et essayer de développer, plutôt que d'aller chercher des sapins exogènes qui n'ont pas les cortèges espèces associés. Et on oublie aussi à chaque fois que quand on parle d'arbres, on parle de champignons.
Parce que c'est avant tout, il y a des papiers qui sont sortis là-dessus, les communautés mycorhiziennes, plus que la génétique de l'arbre, qui va pouvoir répondre en fait aux conditions de stress hydrique. Et souvent, il y a une étude qui est sortie dans les Pyrénées où en fait le sapin est dépérissant là où on ne l'attend pas, c'est-à-dire qu'il dépérit surtout dans les zones où il est en station, où il est habitué à avoir à boire et à manger comme il faut. Dès qu'il y a des problèmes, c'est là où il va manifester des problèmes de résistance. Alors que dans les versants dits un peu séchards, c'est-à-dire exposés au sud, avec des conditions hydriques compliquées, là, les communautés mycorhiziennes sont déjà adaptées à lutter contre ça, et là, le sapin est plus résistant. Donc, il y a ces problèmes de migration assistée au niveau forestier, et au niveau de la plantation d'arbres, que ce soit dans l'espace agricole ou dans les espaces urbains, il faut faire attention aussi à ne pas non plus apporter des espèces qui pourraient être invasives ou qui pourraient ne pas être adaptées aux conditions locales et peut-être engendrer des problèmes après au sein des espèces. Donc c'est voilà, planter le bon arbre au bon endroit et la bonne espèce. Il est temps. Est-ce qu'on ouvre le débat ? On vous écoute, monsieur. Au niveau de la plantation d'arbres, que ce soit dans l'espace agricole ou dans les espaces urbains, il faut faire attention aussi à ne pas non plus apporter des espèces qui pourraient être invasives ou qui pourraient ne pas être adapté aux conditions locales et peut-être engendrer des problèmes après au sein des espèces. Donc c'est voilà, planter le bon arbre au bon endroit et la bonne espèce. Il est temps. Est-ce qu'on ouvre le débat ? Ou pas ? On vous écoute, monsieur. Et au niveau de la plantation d'arbres, que ce soit dans l'espace agricole ou dans les espaces urbains, il faut faire attention aussi à ne pas non plus apporter des espèces qui pourraient être invasives ou qui pourraient ne pas être adaptées aux conditions locales et peut-être engendrer des problèmes après au sein des espèces. Donc c'est voilà, planter le bon arbre au bon endroit et la bonne espèce. Il est temps. Est-ce qu'on ouvre le débat ? Ou pas ? On vous écoute, monsieur. Et au niveau de la plantation d'arbres, que ce soit dans l'espace agricole ou dans les espaces urbains, il faut faire attention aussi à ne pas non plus apporter des espèces qui pourraient être... méthodes différentes soient rentables. Il est vrai que la statistique mondiale nous donne qu'un arbre sur deux planté n'arrivera jamais à terme et ne fera pas grand-chose. Donc laisser pousser, entretenir, régénérer avant de planter, on est d'accord là-dessus, ouais, choisir, parce que pour l'instant, on est encore à 50% dans le monde. La France n'y échappe pas, d'ailleurs, on est toujours à 50%. Si ce n'est pas de la mortalité, de toute façon, c'est des arbres qui n'ont aucun avenir, aucun potentiel. On est d'accord là-dessus, là, il va falloir que ça avance, hein, ça c'est sûr. Et la régénération, c'est la base. Ouais. Ça fait juste 380 millions d'années que les forêts savent se reproduire toutes seules. Donc ce que vient de dire Bernard, je suis à fond d'accord. Bien sûr, c'est une évidence. Je n'avais pas eu le temps de le dire avant ou l'opportunité, mais c'est évident. Chez nous, tout est fait pour les plantations. Plantation, ça veut dire travail du sol, ça veut dire destruction de ce qu'il y avait avant. Et ce qu'il y avait avant, souvent, c'est des régénérations naturelles qui sont présentes, qui sont parfois superbes et qui, dans la plupart des cas, seraient tout à fait capables... De renouveler la forêt d'abord de façon gratuite avec des arbres qui sont déjà en place, etc., des arbres qui sont issus de leurs géniteurs, donc qui sont adaptés à la station, etc. Après, sur y a quelques mots qui ont été dits et qui sont importants, mais je m'en souviens plus. Il y en a un que tu as dit, hein, mais je sais plus, je voulais le relever, mais je voudrais. Sur la question de l'optimisme que tu as posé tout à l'heure, personnellement, je suis optimiste. Au moins, je précise toujours que je parle du massif landais, de mon milieu, de celui que je connais. Je suis optimiste parce que je pense qu'il y a des voies de progrès qui sont très importantes. Mais ça, c'est sûr qu'il y a de la marge. Il n'y a, pas de doute là-dessus. En termes de modèle, stéréotypé, avec une génétique très faible et une classe d'âge équivalente, c'est sûr qu'il y a de quoi faire. Il y a tout à faire, mais je pense, et il y a des perspectives, mais je pense que ça va passer par du conflit, par quelque chose qui peut être violent et brutal, parce que ça ne peut passer que par la destruction des conflits d'intérêts qui sont à la base
du fonctionnement de cette filière. Les conflits d'intérêts, c'est quand vous avez une coopérative qui possède une pépinière. Donc le fonctionnement de la coopérative, c'est de vendre des plants. Pour vendre des plants, elle fait tourner ses tracteurs, parce qu'elle a ses tracteurs. Ensuite, elle vend ses conseils. Elle rédige les plans simples de gestion pour les propriétaires. C'est-à-dire qu'elle dit aux propriétaires comment ils doivent gérer. Elle explique aux propriétaires qu'ils doivent acheter des plants, qu'ils doivent acheter du labour, ils doivent couper leurs arbres à 25 ou 30 ou 35 ans. Elle leur explique tout ce qu'il faut faire. Et ensuite, elle achète leurs arbres, elle les coupe, elle en fait le négoce, etc. Je parle des coopératives parce que c'est l'exemple le plus emblématique. Mais il y a tout un réseau d'industries qui font aussi de la gestion. Alors quand vous avez une industrie de la papeterie qui fait de la gestion ou une industrie qui fabrique des palettes qui fait de la gestion, on ne peut pas s'attendre à ce qu'ils vous disent « faites pousser vos arbres jusqu'à 80 ans ». Ils ne vont pas conseiller ça aux propriétaires. Et il y a aussi tout un réseau d'entrepreneurs de travaux forestiers, plus ou moins gros. Il y en a qui sont très gros, qui eux aussi font de la gestion. Donc des gens qui ont des tracteurs, du personnel, du matériel, qui font de la plantation, qui font des labours, qui font parfois aussi du négoce de bois, etc. Ils ont toutes les activités de la filière, ils les ont en main, et ils sont là à conseiller les propriétaires. Donc moi j'appelle ça du conflit d'intérêts à l'état pur. Et je pense que tant qu'on n'aura pas cassé ce système de conflit d'intérêts qui est agréé par l'État, rien ne pourra changer. Par contre, je pense qu'on peut le casser, ce système, mais ça va être brutal. Voilà, il va y avoir des morts. Brutal ou pas, parce que le jour où on mettra vraiment, comme ça commence à arriver, les indicateurs de résultats en agriculture très clairs, nets et précis sur l'eau, le sol, la biodiversité, la productivité de ces systèmes qui n'est pas si terrible que ça, Il y a un grand philosophe que j'avais déjà cité il y a quelque temps, très très grand philosophe, qui disait il suffit qu'on l'achète plus pour que ça se vende pas. C'était Coluche. Hein? Et à un moment donné, alors pour le vin, c'est différent parce qu'il y a un contact direct, mais il est des vins qui se vendent beaucoup moins aujourd'hui parce qu'ils sont allés beaucoup trop loin dans ces systèmes-là qui sont équivalents. Et quelque part, le débat est posé, le débat est lancé sur la table. Une petite note d'espoir, une fois, justement, dans un exposé justement sur les vieilles forêts, comme modèle sur lesquels, en fait, les vieilles forêts, ça peut être des observatoires pour voir, comme disait Nicolas, c'est les dernières forêts résiduelles de comment fonctionne un écosystème forestier naturel, de s'en servir comme modèle pour voir comment ça répond, comment, par rapport aux adaptations face au changement climatique, comment ça fonctionne, pour inspirer la sylviculture et améliorer la prise en compte de la biodiversité et la prise en compte surtout de l'écosystème forestier, parce que pour beaucoup c'est pris comme une mine en fait, un minerai et pas un écosystème. Et j'expliquais le rôle du bois mort justement et de son importance de garder des très gros vieux arbres en forêt, à cavité et autres dendromicro-habitats, et de garder aussi du bois mort. Et j'ai dû employer un peu leur champ lexical en parlant de capital sol. Et là j'ai réussi à avoir un petit peu l'oreille de dire, mais en fait, si vous avez un capital sol, c'est-à-dire de l'humus, avec les espèces qui fabriquent l'humus, les fameuses saprosiliques, en leur laissant leurs habitats et en favorisant le bois mort, qui favorisera votre humus et avec un humus de meilleure qualité, parce qu'on sait notamment que quand on a l'ensemble des cortèges d'espèces saprosiliques qui se succèdent, on sait qu'on a un humus de meilleure qualité. Notamment quand on a le Fomes fomentarius, le fameux amadouvier que vous connaissez peut-être déjà, cette espèce de grosse langue de bœuf là que vous avez peut-être déjà vue, qui peut héberger, on le sait maintenant, jusqu'à plus de 600 espèces d'arthropodes à l'intérieur. Quand lui, il arrive à s'installer, déjà il faut qu'il y ait une quantité suffisante de bois mort. Et quand il commence à travailler, il est pionnier, il arrive à décomposer différents complexes chimiques du bois. Et ensuite, on a jusqu'aux érythiums, je ne sais pas si vous avez déjà vu des hydmes corail, ce sont des jolis champignons très rares qu'on voit qu'en vieille forêt, et qui sont ces fameux spécialistes qui peuvent s'installer que quand l'amadouvier a fait le travail avant lui, pour lui préparer le terrain. Quand on a l'ensemble de ces espèces-là qui se sont succédées, on sait qu'on a un humus de meilleure qualité. Humus de meilleure qualité, bois de meilleure qualité, forêt en meilleure santé, moins d'attaques, meilleure résistance. Voilà. Et donc quand on leur parle de ça, là j'ai eu un peu une oreille.
Et voilà, il faut, comme tu disais, un travail long de pédagogie à répéter ça. Et je voulais juste reboucler aussi sur la régénération naturelle et son importance, et revenir sur l'importance du bois mort. Alors désolé, je reprends l'exemple du sapin parce que le modèle, il a été dessiné sur ça, il a été décrit sur ça. C'est qu'on s'est rendu compte pour les sapins et les épicéas que la régénération naturelle, elle prenait bien mieux et elle se faisait en fait dans le bois mort parce qu'il y a une succession là aussi des cortèges d'espèces dans les mycorhizes. Il y a les mycorhizes saproxyliques, donc qui vont se développer dans le bois mort, qui vont se connecter aux petits semis de sapin ou d'épicéas. Et après, quand il n'y aura plus le bois mort, il y aura un autre champignon mycorhizien qui prendra le relais, parce que le mycorhizien saproxylique ne sera plus là, et il y aura le relais avec le champignon qui sera lié ad vitam aeternam avec le sapin adulte, enfin jeune et adulte. Donc là aussi, il y a une succession. Et c'est pour ça que ça régénère mieux dans le bois mort. D'où cette importance très importante. Donc voilà, le modèle, il a été décrit sur les résineux, mais il y a aussi ce lien important pour les feuillus. Ajoutons à cela que la pièce de bois mort, c'est comme une éponge qui retient l'humidité et l'eau, et que dans ces périodes où on a des excédents de pluie en ce moment, hein, voilà, mais ça a un rôle fondamental, hein, c'est comme une éponge, ça, et contre les problèmes de sécheresse. Et les souches aussi, que nous, on extrait. Et oui, alors c'est vrai que dans le massif landais, ils arrachent les souches pour pouvoir mieux labourer après, pour pouvoir mieux replanter. Donc là, on se plaint de la sécheresse après. Voilà, parce que les souches, même une fois que l'arbre est coupé, elles continuent de faire un pont de transfert d'éléments bénéfiques aux arbres à travers les greffes racinaires entre même espèces ou à travers les mycorhizes entre deux arbres de même espèce, elles continuent de faire ce lien. Et pour aller aussi dans ton sens, il y a aussi également l'intérêt du bois mort aussi pour le stockage du carbone dans les sols, qui va restituer lentement le carbone dans les sols. Et on sait que les vieux arbres et le bois mort sont des puits de carbone. Et le carbone, c'est de la vie. Monsieur, on vous écoute. À travers les greffes racinaires entre même espèces ou à travers les mycorhizes, entre deux arbres de même espèce, elles continuent de faire ce lien. Et pour aller aussi dans ton sens, il y a aussi également l'intérêt du bois mort aussi pour le stockage du carbone dans les sols, qui va restituer lentement le carbone dans les sols. Et on sait que les vieux arbres et le bois mort sont des puits de carbone. Et le carbone, c'est de la vie. Monsieur, on vous écoute. À travers les greffes racinaires entre même espèces ou à travers les mycorhizes, entre deux arbres de même espèce, elles continuent de faire ce lien. Et pour aller aussi dans ton sens, il y a aussi également l'intérêt du bois mort aussi pour le stockage du carbone dans les sols, qui va restituer lentement le carbone dans les sols. Et on sait que les vieux arbres et le bois mort sont des puits de carbone. Et le carbone, c'est de la vie. Monsieur, on vous écoute. À travers les greffes racinaires entre même espèce ou à travers les mycorhizes, entre deux arbres de même espèce, elles continuent de faire ce lien. Et pour aller aussi dans ton sens, il y a aussi également l'intérêt du bois mort aussi pour le stockage du carbone dans les sols, qui va restituer lentement le carbone dans les sols. Et on sait que les vieux arbres et le bois mort sont des puits de carbone. Et le carbone, c'est de la vie. Monsieur, on vous écoute. À travers les greffes racinaires entre même espèce ou à travers les mycorhizes, entre deux arbres de même espèce, elles continuent de faire ce lien. Vous pouvez aller sur des espèces exogènes. Par exemple, si vous replantez en chêne, vous avez le choix entre le chêne rouge d'Amérique ou le chêne sessile. Ben, vous prenez le chêne sessile. Sauf qu'aujourd'hui, l'État aide plus sur le chêne d'Amérique. Pourquoi ? Parce qu'il pousse plus vite. Donc il y a moins de travaux de dégagement à faire, parce que ça se fait en 3 ans. Sauf que, in fine, si on fait bien les travaux de dégagement sur chêne sessile, après il rattrape le retard et il pousse aussi bien. Voilà. Donc en fait, on n'est pas obligé d'aller sur ces espèces exogènes, sauf que le problème, c'est que l'État aide plus ces plantations-là. Et Jacques, je crois que tu voulais compléter. Oui, j'essaie de répondre. Vous parliez de destruction d'espèces indigènes. Vous pensiez à l'épicéa de plaine, je pense, mais on n'est pas dans le bon exemple, là, parce que l'épicéa en plaine, il n'est pas à sa place. Et ensuite... Pardon ? Oui, bon. Enfin, il y a énormément d'exemples d'épicéas de plaine qui ont disparu, enfin, qui sont en train de disparaître, justement parce qu'ils ne sont pas à leur place. Mais après...
la catastrophe des scolytes est d'une telle ampleur aussi qu'elle colonise, qu'elle s'attaque également à des peuplements qui sont en place, je sais aussi. Bon. Après, on privilégie la régénération naturelle, ça c'est la base du bon sens, mais on n'a aucune interdiction de faire d'autres choses, et notamment de faire des reboisements. Alors ça peut être des reboisements en chaîne ou diversifiés, des mélanges, des semis plus plantations. Tout est possible, si vous voulez. La sylviculture, ce n'est pas un itinéraire. La sylviculture, c'est une façon d'accompagner de façon optimale une force naturelle, une dynamique qui est là, qui attend pour s'exprimer. Alors, il faut trouver simplement... comment l'accompagner au mieux, comment faire en sorte que un écosystème, une forêt, un système forestier se remette en place dans un délai aussi bref que possible. Alors si c'est à grand coup de tracteurs et de destruction du sol, ça va être de courte durée, ça va pas marcher. Si c'est en essayant d'accompagner finement les choses, en diversifiant les essences, en étant peu interventionniste, en étant peu destructeur du milieu, on a des chances d'aller plus loin dans la durée et d'obtenir un résultat meilleur. Et puis, de toute façon, nous, forestiers, il faut qu'on soit extrêmement humbles, hein, parce que, en fait, on n'y comprend rien, quoi. Il faut le dire. C'est dit, Nicolas. Ouais, une des grosses difficultés aussi qui apparaît, c'est que le système forestier, il a un sens à large échelle malgré tout, et que à l'échelle individuelle, c'est dur de mettre en place toutes les conditions pour réapporter cette résilience du système forestier bien en place. Une forêt, elle génère un microclimat, elle entretient un microclimat, mais la démarche, elle doit être collective. Ce n'est pas un particulier à l'échelle de sa parcelle qui peut agir sur le microclimat de tout un vallon, par exemple. Ce qui va permettre, ce microclimat, qui va permettre de garantir ou de favoriser. L'effet du changement climatique, il est quand même avéré. Il y a un massif emblématique dans les Pyrénées-Orientales, qui est la réserve de la Massane. La Massane où il n'y a aucune exploitation qui est prodigué aujourd'hui, et ils observent des dépérissements très importants sur les hêtres. Mais attention, on est à la Massane, on voit la Méditerranée. Quand on monte à la Massane, on traverse une forêt de chênes verts où on est dans ce qu'on appelle un cagnard impensable. Voilà, on a les gouttes de sueur, il fait super chaud, et on arrive dans une hêtrée avec des hêtres qui vont faire 70, 80, 1 mètre de diamètre. Et là, on a une fraîcheur apparente avec une vue sur la Méditerranée. Si on demande à n'importe quel forestier aujourd'hui d'implanter du hêtre dans un contexte comme ça, ils vont nous dire « mais vous êtes fous, le hêtre, il n'est plus du tout adapté ». Là, on en est, le chêne Cécile dans le Tarn à nous dire qu'il ne va peut-être plus être adapté et sur des révisions d'aménagement à dire qu'il faut changer d'essence. Mais forcément, si on cède à la peur, enfin, c'est pas céder à la peur, mais il y a un phénomène de changement climatique, mais s'il n'y a pas une mobilisation collective pour essayer de garder des forêts résilientes et un tant soit peu naturelles, eh bien, c'est pas à l'échelle individuelle qu'on va s'en sortir. C'est là qu'est la grosse difficulté. Après, il faut qu'individuellement, chacun contribue. Ça, c'est la théorie du colibri. Je crois que c'est évident qu'il y a un problème de politique nationale, de la filière dans son ensemble, que ce soit depuis la sylviculture jusqu'à la commercialisation ou l'utilisation des bois. Bon, pourquoi la filière du bois est déficitaire en France avec les richesses qu'on a en chêne et autres? Ça, c'est quand même impensable. Après, je voulais juste dire un mot sur le pin maritime. Chez nous, c'est une espèce qui est vraiment hyper, hyper bien adaptée à notre massif, à notre climat, à nos sols, à tout. Et on a peut-être une longueur d'avance, nous, landais, là-dessus, parce qu'on a la chance, justement, de ne pas être aux prises avec une espèce menacée, comme peut l'être le chêne pédonculé, le hêtre et bien d'autres, la plupart des autres, le frêne, enfin, bon, ils ont tous un problème. Nous, le pin maritime a subi des menaces, on s'attend à ce qu'il y ait des problèmes sanitaires à l'avenir, graves, très graves,
Mais sur le plan de sa physiologie et de son adaptation géographique, enfin, à la zone, au territoire, c'est une espèce d'avenir. Elle est vraiment excellente. Elle peut encore encaisser pas mal de d'assèchement du climat et de difficultés. Après, juste, je voulais aussi ajouter un mot sur... Bon, j'ai parlé de la politique au niveau national, mais il y a aussi une clé qui serait très importante, qui serait très importante de développer, c'est la formation des propriétaires. Parce que quasiment tous les propriétaires, au moins, je ne sais pas, 95%, n'ont pas de formation technique. Contrairement aux agriculteurs qui ont, je ne sais pas quel diplôme, mais enfin, les propriétaires forestiers n'ont pas de diplôme forestier. Ils héritent, et moi je connais bien le problème puisque ça a été mon cas. Hein. Moi je suis autodidacte, je suis issu d'une famille forestière, j'ai appris en faisant des conneries en forêt, et puis je me suis formé après. Mais quasiment tous les propriétaires, que ce soit mes copains, mes amis, enfin mes collègues forestiers landais, ils n'ont pas la moindre notion de la façon dont fonctionne un végétal, un écosystème ou quoi que ce soit. Ils connaissent bien les tracteurs et comment faire les vidanges quelle puissance il faut qu'ils achètent, etc. Mais la forêt, ils ne connaissent pas. Donc, à mon avis, la formation technique des propriétaires pourra être aussi un axe majeur vers des solutions d'avenir. Quand ils savent qu'ils sont propriétaires. Parce qu'il y a aussi cet autre problème de la forêt privée, c'est que comme il y a eu beaucoup de morcellement, et voilà, il y a beaucoup d'indivisions aussi, il y a beaucoup de biens non délimités également, et en plus de ça, beaucoup de propriétaires qui ne savent pas qui ils sont. Ils sont partis à l'autre bout de la France, ou voilà, et puis ils ne savent même pas qu'ils ont un bout de forêt. C'est différent. C'est un peu différent, oui. D'accord. Oui, madame. À mon avis, la formation technique des propriétaires pourra être aussi un axe majeur vers des solutions d'avenir. Quand ils savent qu'ils sont propriétaires. Parce qu'il y a aussi cet autre problème de la forêt privée, c'est que... Oui, il existe des groupements forestiers, comment dire, collectifs à but de préservation. Alors, ça se développe un peu, il y en a qui sont anciens... Chez nous, en Gironde, il y en a un, il y a 25 ou 30 ans d'ancienneté, je crois, c'est un petit truc, mais il y en a un autre qui est très connu dans le Morvan, groupement forestier de sauvegarde des feuillus du Morvan, et puis il y en a d'autres qui se sont mis en place, il y a Avenir Forêt en Auvergne, par là, ou en Limousin, il y a Forêt en Vie. Bon, il y en a des récents. C'est un mouvement qui est en train de se mettre en place et où il suffit de mettre quelques économies. Ça peut être 150 euros ou 1000 euros. C'est des sommes qui sont à la portée d'un ménage. Et vous participez ainsi à l'achat de parcelles qui risquent de passer en coupe rase. Et ensuite, si le groupement forestier parvient à les acheter, ensuite vous êtes assuré que la gestion va être respectueuse du milieu et cherchant à optimiser la forêt. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de coupe, au contraire, de toute façon, la gestion forestière, l'acte principal du gestionnaire forestier, c'est de couper des arbres. Il ne s'agit pas du tout d'en planter, c'est d'en couper. Mais comment les couper, lesquels, à quel rythme, etc. C'est ça, le cœur de la gestion forestière, c'est ça. C'est savoir couper, savoir choisir les arbres. Donc, il existe donc un certain nombre de groupements forestiers qui sont destinés à ça, à faire de la bonne foresterie, et qui sont preneurs de la collaboration d'actionnaires qui veulent aller dans le même sens. Et ça, c'est intéressant parce que souvent, justement, ces acteurs-là, ils cherchent à faire de la sylviculture en couvert continu. Donc, c'est souvent ce qu'on appelle la futaie irrégulière ou futaie jardinée, et ça, c'est encore le must, qui est un mode d'exploitation forestière le plus proche de l'écosystème et le plus respectueux. Et à forte valeur ajoutée parce que vraiment recherche de bois d'œuvre, donc voilà, c'est moins de revenus.
Contrairement à la futaie régulière, on remet le peuplement à zéro tous les 80 ou 150 ans, en ayant assuré quand même la continuité des taboisés par des semis. On a un gros coup d'un coup, mais il faut réinvestir aussi pour assurer la régénération naturelle, parce qu'il faut quand même des travaux derrière, des travaux de sylviculture, pour assurer l'avenir de la forêt et faire des bois de qualité. Donc il faut réinvestir, et voilà, et donc on a un gros coup d'un coup, mais il faut réinvestir aussi. Alors qu'en futaie irrégulière, on a moins de gros revenus d'un coup, mais c'est des revenus réguliers et à forte valeur ajoutée. Ça, c'est le côté intéressant de la sylviculture. Après, il y a d'autres fonds qui existent, où là, c'est de l'acquisition de forêts pour de la libre évolution. Parce que ce qui est intéressant, c'est de renforcer la prise en compte de la biodiversité dans les forêts exploitées par ces modèles-là, promus par Prosilva, le réseau des alternatives forestières et autres associations et groupements forestiers, mais aussi d'avoir des zones en libre évolution, où là, les forêts peuvent faire leur cycle naturel. Et donc, il y a des fonds de dotation qui existent pour préserver notamment des vieilles forêts en forêt privée. Voilà, il y a forêt sauvage, il y a forêt préservée aussi qui essaye justement de viser ces forêts à fort enjeu écologique pour les préserver en faisant de l'évolution naturelle, donc pas de coupe. Voilà, ça existe aussi et ces structures-là sont aussi à la recherche. Ça peut être des dons financiers, ça peut être aussi des dons de forêt. Même si ce n'est pas de la vieille forêt, pour la laisser en libre évolution de manière pérenne. Puis il y a aussi les fonds du Conservatoire des espaces naturels dans ce cadre. Voilà, typiquement là, on a fait un travail, c'est ce qu'on disait, d'inventaire des vieilles forêts de Midi-Pyrénées. Donc on a couvert toute la chaîne des Pyrénées, même à échelle Occitanie, et une bonne partie de la plaine de Midi-Pyrénées. Et nous, aujourd'hui, au Conservatoire, avec l'appui de la région, là, qui a débloqué des financements pour nous assister, l'association de Sophie Nature en Occitanie aussi va être active dessus. Maintenant, on va chercher à acheter ces vieilles forêts pour les sécuriser et les mettre en libre évolution. On a le programme Sylvae qui est porté par un Seine Auvergne qu'on va étendre à plus large échelle. Voilà, donc on a des financements de la région qui nous permettent d'assurer à peu près 80% des acquisitions. Et après, nous, on va faire des financements participatifs, faire des recherches de financement complémentaires afin de sécuriser ces quelques petits noyaux qu'on a trouvés, qui sont les derniers noyaux existants, pour de la libre évolution. Et ces forêts auront un plan de gestion qui inclura cette libre évolution. Parce que ne rien faire, c'est quand c'est décidé d'une manière concertée, d'une manière justifiée, c'est de la gestion. C'est une forme de gestion. Ouais. La libre évolution est une forme de gestion. Voilà, c'est pas de l'abandon. C'est une forme de gestion et c'est des forêts où il y aura des protocoles de suivi qui ont aussi pour but de nous aider à mieux comprendre comment fonctionne une forêt sans intervention sylvicole. Et ça va être un laboratoire d'études extrêmement intéressant également pour voir la réaction des arbres face au changement climatique en comparatif avec des forêts d'à côté qui, elles, sont exploitées. Voir ces notions de résilience, comment elles évoluent, comment évolue la biodiversité dedans. Voilà, donc on est impliqué aussi dans des programmes nationaux de suivi de biodiversité, de suivi des peuplements forestiers. On travaille, nous, beaucoup en lien avec Réserves naturelles de France, avec des protocoles de suivi à long terme qu'on met en place dans les forêts, pour aussi crédibiliser d'un point de vue scientifique notre action. Voilà. Ce n'est pas une fin en soi d'avoir acheté et dit on fait de la libre évolution. Derrière, on va avoir tout un ensemble d'actions pour le suivre scientifiquement et crédibiliser notre action. Oui, et puis refaire de la forêt aussi un bien commun, un naturel commun. Exactement. Monsieur, avant. Et comment évolue la biodiversité dedans. Voilà, donc on est impliqué aussi dans des programmes nationaux de suivi de biodiversité, de suivi des peuplements forestiers. On travaille, nous, beaucoup en lien avec Réserves naturelles de France, avec des protocoles de suivi à long terme qu'on met en place dans les forêts, pour aussi crédibiliser d'un point de vue scientifique notre action. Voilà, c'est pas une fin en soi d'avoir acheté et dit on fait de la libre évolution. Derrière, on va avoir tout un ensemble d'actions pour le suivre scientifiquement et crédibiliser notre action. Oui, et puis refaire de la forêt aussi un bien commun. Un naturel commun. Exactement. Monsieur, avant. Et comment évolue la biodiversité dedans. Voilà, donc on est impliqué aussi dans des programmes nationaux de suivi de biodiversité, de suivi des peuplements forestiers. On travaille, nous, beaucoup en lien avec Réserves naturelles de France, avec des protocoles de suivi à long terme qu'on met en place dans les forêts, pour aussi crédibiliser d'un point de vue scientifique notre action. Voilà.
c'est pas une fin en soi d'avoir acheté et dit on fait de la libre évolution. Derrière, on va avoir tout un ensemble d'actions pour le suivre scientifiquement et crédibiliser notre action. Oui, et puis au repère de la forêt aussi un bien commun, un naturel commun. Exactement. Monsieur, avant. Et comment évolue la biodiversité ? Le vivant soit basé sur de la diversité. C'est vrai, quand on dit le chêne ne pousse pas là, on fait 400 mètres et on en voit un qui fait 30 mètres de haut, c'est toujours un peu douloureux. Enfin, c'est comme ça, c'est la vie. Je ne sais plus qui voulait parler. Allez, vous, madame, et puis après... Ouais, on vous écoute. Pas une fois, on fait de la libre évolution. Derrière, on va avoir tout un ensemble d'actions pour le suivre scientifiquement et crédibiliser notre action. Oui, et puis au repère de la forêt aussi un bien commun. Un naturel commun. Exactement. Monsieur, avant. Et comment évolue la biodiversité ? Donc on a appliqué dans ces... Il faudrait même que le vivant soit basé sur de la diversité. C'est vrai, quand on dit le chêne ne pousse pas là, on fait 400 mètres et on en voit un qui fait 30 mètres de haut, c'est toujours un peu douloureux. Enfin, c'est comme ça, c'est la vie. Je ne sais plus qui voulait parler. Allez, vous, madame, et puis après... Ouais, on vous écoute. C'est pas une fin. Un feu, oui. Et on fait de la libre évolution. Derrière, on va avoir tout un ensemble d'actions. Il faudrait même que le vivant soit basé sur de la diversité. C'est vrai, quand on dit le chêne ne pousse pas là, on fait 400 mètres et on en voit un qui fait 30 mètres de haut, c'est toujours un peu douloureux. Enfin, c'est comme ça, c'est la vie. Je ne sais plus qui voulait parler. Allez, vous, madame, et puis après, ouais, on vous écoute. Je sais ce que vous dites, mais ça ramène justement que les feux, les tempêtes font partie du cycle forestier. Donc en fait, là, ces forêts sont revenues à la libre évolution et donc justement vivent ces aléas-là. Et le séquoia a besoin du feu pour régénérer. Et donc du coup, ça fait vraiment partie de l'écosystème. Par contre, effectivement, si les surfaces ne sont pas assez importantes, après il peut y avoir des soucis de gestion derrière et autres. Mais si on se ramène sur... Et aux États-Unis, ils ont quand même une politique de gestion extensive, d'avoir des grands, grands parcs. Et vraiment, les forêts, les chutes de pierres, les avalanches, les incendies, tout ça, ça fait partie de la vie de la forêt. Et l'homme, on a du mal avec ça. On a du mal à laisser faire naturellement. Mais il ne faut pas oublier que le séquoia a besoin du feu pour régénérer. Effectivement, si les surfaces ne sont pas assez importantes, après, il peut y avoir des soucis de gestion derrière et autres. Mais si on se ramène sur... Et aux États-Unis, ils ont quand même une politique de... Sur les feux de forêt, parce que là... On n'est pas dans, je ne connais pas bien le contexte californien, mais il me semble qu'il est assez différent. Il y a des programmes. Moi, je vis dans le département du Lot, par exemple. Alors, dans le département du Lot, il y a un grand programme de lutte contre les milieux embroussaillés. Voilà, les milieux embroussaillés, c'est la bête noire. On remet du pâturage partout pour lutter, parce qu'il y a eu des grands incendies. Hein, c'est fondé. Hein, c'est pas pour rire. Hein. Il y a une année, il y a 600 hectares qui est parti. À Cajard, c'était pas pour rire. Après, quand on regarde quand même globalement les feux de forêt forestiers, les plus gros qu'il y a eu, c'était dans des plantations en Midi-Pyrénées. Quand on parle de milieux forestiers en libre évolution, vous disiez il y a du bois mort. Le bois mort, c'est comme des éponges. On n'est pas forcément à l'intérieur sur un tas de broussailles. Le tas de broussailles, c'est en général de la forêt de reconquête. Donc c'est des milieux agricoles qu'on a abandonnés. Alors on dit c'est de la forêt parce que... Alors ils nous disent ça a toujours été forêt. Ouais, ça fait 30 ans que c'est forêt, mais 30 ans dans un système forestier sur du cause dans le Lot, je peux vous assurer que les chênes pubescents, ils ne sont pas énormes. Et du coup, quand on regarde les photos aériennes, 40 ans en arrière, il n'y avait pas un arbre. Alors effectivement, on est dans cette phase de reconquête forestière, milieu embroussaillé, où quand le feu y prend, c'est compliqué. Mais pourquoi ? Parce qu'on vient d'une situation... où on avait encore une fois complètement simplifié le système, et on est dans cette phase de transition. On n'a pas passé le seuil de pouvoir atteindre un niveau de maturité. Je ne parlerai pas d'équilibre, parce que finalement, le milieu forestier, il n'est jamais en équilibre, il bouge tout le temps, mais on n'est pas dans une situation d'un peuplement assez bien installé pour pouvoir aussi être encore une fois assez résistant, assez résilient à ces choses-là. Et ça, c'est un contexte plutôt local. Et les strates, les différentes strates forestières et le sous-bois est énormément important aussi pour la biodiversité forestière. Voilà, et comme disait Nicolas, dans une forêt, une forêt mature, c'est pas non plus très dense. Et puis comme c'est une mosaïque, il y a des endroits où ce sera un peu dense, des endroits où ça sera moins. Donc en fait, c'est cette hétérogénéité-là qui est hyper importante pour la forêt. Et effectivement, la photo que vous avez, c'est ce que vient de vous dépeindre Nicolas, c'est que c'est pas des vraies forêts encore. Hein, non.
Alors, oui. Assez résilient, ça c'est un contexte plutôt local. Et les strates, les différentes strates forestières et le sous-bois est énormément important aussi pour la biodiversité. C'est très complexe, parce que c'est, le principe de cette scierie-là, c'est de faire de l'exploitation de gros bois, pour faire du bois d'œuvre. Donc ce qui est intéressant, c'est d'avoir une unité de transformation, enfin ce serait d'avoir plusieurs unités de transformation, de première unité de transformation de bois, de hêtre, et ils visent principalement le hêtre. Il faut savoir que le hêtre dans les Pyrénées, il est réputé voilà, pour avoir du cœur rouge, c'est aucunement un défaut mécanique, mais par contre c'est plutôt de l'esthétisme, donc il est un peu flammé de rouge, et aujourd'hui quand on veut du meuble Ikea blanc, bah, du coup ça passe pas bien au niveau de la mode. Donc le bois d'œuvre de hêtre aujourd'hui n'est pas très bien valorisé. Et une partie part effectivement parfois en papeterie. Ou alors il est valorisé chez les Espagnols qui le prennent. Parfois il part aussi en Chine et il nous revient sous forme de meubles en France. Donc ça c'est ce qui se passe. Avec le label bois français. Avec le label bois français, voilà. Et traité parce qu'on s'est rendu compte que dans les conteneurs il pourrissait. Donc il faut aussi le traiter. Donc il y a cette unité de première transformation de hêtre qui vient d'une très grosse entreprise industrielle italienne, mais qui a plusieurs, c'est une des plus grosses scieries d'Europe en fait, hein, qui a plusieurs boîtes un peu partout en Europe et qui exporte à l'international. Le problème principal de ce projet est en fait les volumes qu'il demande. Parce qu'en fait, ils demandent 50 000 mètres cubes de grumes de très grande qualité. Donc il y a plusieurs qualités dans le bois d'œuvre, il y a A, B, C. Le A c'est et le B, c'est de la crème. C'est du bois vraiment sans défaut, où on peut faire vraiment c'est la crème de la crème du bois d'œuvre. Sauf que pour, dans les Pyrénées, faire entrer en entrée de scierie 50 000 mètres cubes de bois d'œuvre en qualité A et B, il faut prélever jusqu'à 540 000 mètres cubes de bois, toutes qualités confondues, par rapport aux études de ressources qui ont été faites. Donc aujourd'hui, les institutions et les porteurs de projets ont lu les études qui ont été produites disant qu'il y avait des millions de mètres cubes, oui, mais par contre, quand on lit correctement ces études-là, elles nous montrent qu'en fait, il n'y a pas la ressource. En tout cas, il n'y a pas la quantité demandée par l'industriel. Et le problème, c'est que, comme on a vu dans les Pyrénées, et comme partout en France, hein, parce que 80% des forêts en France ont moins de 100 à 150 ans, pour la petite histoire très raccourcie de la forêt pyrénéenne que j'ai essayé de vous expliquer tout à l'heure, c'est une forêt quand même jeune. Et comme on a vu, on manque de gros bois en forêt. Notamment dans les années 90, dans les Pyrénées, il y a eu un peu une chasse au gros aussi, comme on dit. Il y a eu pas mal d'exploitations forestières de gros arbres. Donc en fait, aujourd'hui, on a un manque de ces gros arbres, tant au niveau de la ressource, mais aussi au niveau de l'écosystème, parce qu'on vous a fait le tour sur pourquoi on avait besoin de gros vieux arbres en forêt et de gros bois morts. Or, quand il y a une gestion qui est strictement optimisée pour la production de bois, on arrive justement à ces problèmes d'homogénéisation de la forêt, qui amène du coup le fait qu'on ne laisse pas les arbres arriver à des gros diamètres, on les exploite avant qu'ils deviennent très gros. Donc, et on enlève aussi le bois mort. Donc en fait, aujourd'hui, on montre qu'il n'y a pas la ressource, parce qu'il y a eu ce passé au niveau de la gestion, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas assez de ces gros vieux arbres, et que ceux qu'ils restent, ils doivent rester en forêt pour l'écosystème et la bonne santé de la forêt. Donc c'est pour ça qu'on explique qu'aujourd'hui, 50 000 mètres cubes en tressierie de bois d'œuvre de cette qualité-là ne peut pas être de nature à répondre aux enjeux d'érosion de la biodiversité, notamment forestière, et répondre aux enjeux de changement climatique. Donc là, ce qu'on essaye d'expliquer aux porteurs de projets, mais aussi aux élus, enfin d'informer, d'alerter, de pouvoir apporter cet éclairage technique sur le fait qu'il est peut-être plutôt préférable de renforcer le tissu de petites scieries locales. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'il y aura énormément d'argent public qui sera injecté pour ce projet-là. Il y aura vraiment beaucoup de fonds publics injectés. Et donc, plutôt que cet argent public, au lieu d'arriver chez un seul industriel qui repartira au bout de quelques années, parce qu'ils lui sont livrés le foncier, l'usine, lui, il n'apporte plus que ses machines. Une fois qu'il aura décapitalisé la forêt, il repartira. Et ponctionné l'argent public, il repartira. Donc, plutôt que d'utiliser cet argent public-là, donc notre argent à tous,
parce que ça va s'implanter à Lannemezan, mais ça touche l'ensemble des Pyrénées. Ça va des Pyrénées Atlantiques jusque dans l'Ariège, parce qu'après, à partir de l'Ariège, dans les Pyrénées orientales et hautes, bon, elles sont impactées aussi par le projet, mais il y a moins de hêtres. S'il n'y a pas assez de ressources dans les Pyrénées, ils iront aussi dans le Massif central. Donc en fait, c'est le Grand Sud-Ouest qui est concerné. Et il a un peu de vue aussi un peu sur le chêne, mais c'est surtout le hêtre. Donc ce qui se passe, c'est que nous, ce qu'on essaye de dire, c'est que cet argent public, il serait plutôt intéressant de le remettre vraiment dans des projets de territoire, à renforcer le tissu des scieurs locaux, pour mieux respecter la biodiversité et ne pas mettre tout dans un gros industriel. Et vos propositions, elles sont reçues comment ? Alors on est en cours, là, aujourd'hui c'est quand même écouté, il y a une étude... Non, c'est pas foutu encore, parce que aujourd'hui, voilà, il y a eu... Donc notre association Nature en Occitanie a fait un éclairage technique dans son rôle d'association de protection de la nature, de faire un apport technique au niveau des élus sur les enjeux de la biodiversité forestière et de pourquoi de tels volumes ne sont pas supportables par l'écosystème forestier, et d'essayer de regarder des initiatives qui existent déjà dans les Pyrénées, notamment dans Parc Naturel Régional des Pyrénées Ariégeoises, où ils développent des modèles intéressants d'économie locale circulaire autour du bois. Donc de se baser sur ce laboratoire-là d'expérience et de le démultiplier en dehors de cet espace-là. Et aujourd'hui, il y a une certaine écoute dans le sens où ils vont quand même refaire une autre étude, parce qu'il y a trois études qui ont été faites de ressources. Une par l'Office national des forêts, une par l'Union Grand Sud des communes forestières et une autre par l'IGN. Sauf que le problème au niveau de l'IGN, l'Institut géographique national, qui a repris en fait l'Institut forestier national, qui a repris donc la compétence forêt, ce sont des grandes études macro, basées sur des statistiques et des estimations. Donc on ne peut pas vraiment se baser sur ça. Donc ça, on l'a montré. Et aujourd'hui, ils vont refaire une autre étude. Voilà, qui va durer un an et demi, deux ans. Et il y a un collectif qui s'est monté, qui pousse à ça, qui s'appelle le collectif Touche pas à ma forêt, qui a été voir les élus régionaux aussi, et qui serait potentiellement associé à un cahier des charges pour monter cette étude-là, d'estimation de ressources, mais aussi peut-être d'un projet alternatif. Enfin, en tout cas, il pousse à étudier un projet alternatif. Voilà, mais en l'état, ce projet aujourd'hui ne peut pas être supporté par l'écosystème forestier. Bon, c'était le titre de Paysage in Marsiac. Le système va s'arrêter dans une minute automatiquement, donc je suis obligé de réguler le temps. Il reste un peu de pain sur la planche, puisque c'est comme ça qu'on a nommé cette 12e édition de Paysage in Marsiac. Il faudra du bois malgré tout, donc il faudra trouver le juste milieu pour respecter toutes ces conditions vitales à ces écosystèmes avec ces fameux indicateurs de résultats, cette prise de conscience, etc. Marie-France, as-tu quelque chose d'important à nous dire avant que nous nous quittions ? Important, mais c'était sur un peu cette touche important optimiste. Et court. Ah oui, non mais c'était juste pour dire que la bonne nouvelle, c'est qu'en fait il y a quand même ces échanges, ces prises de conscience, que de plus en plus, je pense, de propriétaires forestiers sont sensibles et entendent tout ce changement de pragmatique et de solutions qui n'existaient pas, ou du moins qui n'étaient pas énoncées avant. Et je pense que voilà, si en effet nous ne sommes pas une majorité d'acteurs œuvrant de cette nature, en tout cas nous sommes une minorité grandissante, et tous les propos que vous portez et vous en tant que propriétaire forestier, vous êtes certes en minorité, mais je pense que de plus en plus de gens s'inspirent et de vos démonstrations, et qui voient qu'en fait il y a une vraie voie qui s'ouvre. Et donc voilà, c'est le point positif, même si en effet il reste beaucoup de pain sur la planche. Donc c'est du pain un gros forestier, ça ira. Du pain et des œufs. Et de la planche issue de forêt, prenant en compte la biodiversité. Absolument, voilà. C'est le moins qu'on puisse dire. Merci pour cette conclusion. Mesdames, messieurs, merci.